Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la canne pixel de Bettina Walker. Et pour ça on va se servir de l'instrument de torture, l'extrudeur. Donc au niveau de l'extrudeur on va se servir de l'embout avec le rond, le petit rond. Donc il y a plusieurs diamètres donc tout dépend du résultat que vous voulez. Mais plus vous allez prendre le petit rond et plus les motifs à l'intérieur seront fins. Au niveau des pattes, vous avez le choix, vous prenez les couleurs que vous voulez, franchement là il n'y a pas de limite. Donc moi j'ai pris du blanc et du noir et plusieurs tons de bleu différents. Donc avec un emporte-pièce du même diamètre que l'extrudeur à peu près, voilà approximativement. Donc dans la pâte blanche, je vais venir découper 6 ronds du même diamètre que l'extrudeur, 5 dans la pâte noire et dans les couleurs bleues, je vais venir découper 4 ronds à chaque fois. Ensuite pour les couleurs bleues, je vais doubler mes petites pastilles. Je vais tous les superposer deux par deux. Ensuite pour l'assemblage, je vais commencer par un rond blanc, suivi de 2 ronds bleus, ensuite un rond noir, 2 ronds bleus, un rond blanc, 2 ronds bleus, un rond noir, etc. etc. jusqu'à épuisement du stock. Voilà. On obtient un long boudin comme ça et on va venir le rentrer dans l'extrudeur. Donc si ça rentre pas, il suffit d'allonger vite fait la canne, histoire qu'elle ait le bon diamètre. Et maintenant c'est l'heure de gonfler les biceps et de tourner la manivelle. Ouais. Donc au final on obtient un super long colombin comme ça, très long petit boudin. Et on va venir le couper en plusieurs parties à part égale. Et après ce n'est que de l'assemblage et je vous laisse regarder ça en musique parce que bah, j'ai pas besoin de parler, hein. Je pense que les actes parlent d'eux-mêmes. Voilà. Et donc voilà, on obtient une jolie canne pixel façon Bettina Walker. Et maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à faire le bijou de votre choix avec cette canne. Donc voilà quelques petits bijoux que j'ai pu réaliser. Et donc voilà le résultat. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si c'est pas un tuto qui vient de moi. Hein. Je voulais juste vous montrer cette technique-là. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.